Bonjour, ici Olivier Dion, je suis sur MCE, ma chaîne étudiante. Si j'étais son soleil, quelqu'un dans sa vie, je ne serais plus pareil, je brûlerais d'envie. Si j'étais son soleil, un peu plus que moi, je ferais des merveilles, elle n'imagine pas. En fait, c'est un single qui m'a été présenté et auquel j'ai accroché dès la première écoute. Et puis, c'est par après que le texte de Dorian est arrivé. Et dès que j'ai entendu les mots, en fait, sur la chanson, je trouvais que déjà, tout allait. Hein. Puis, ça collait bien. Et puis, je trouvais que c'était le match parfait. La mélodie, tout de suite, justement, je trouve que c'est très, très rafraîchissant. C'est très cool. C'est très, très actuel. Et oui, elle reste en tête. Donc c'est probablement pour ça que les radios ont accroché elle aussi. Et puis, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour faire jouer la chanson. On travaille présentement sur d'autres titres. On en a quelques-uns et on en écrit d'autres. On est à la recherche d'autres titres présentement pour faire soit... On hésite entre un EP et un album, on ne sait pas encore trop, mais on sortira sûrement quelque chose au printemps. Donc ça, c'est vraiment les prochains projets qui m'attendent ici. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, il y a plein de gens avec qui j'aimerais collaborer, mais mes idoles du moment, je vous dirais que il y a Ed Sheeran, il y a Bruno Mars, ces gars-là font de la musique incroyable, puis si je pouvais collaborer avec eux, ce serait génial, mais ça, c'est dans le domaine du rêve un peu. Moi, j'ai hâte d'aller à la rencontre, en fait, du public français, que je ne connais pas beaucoup, moi non plus. Donc, j'espère bien que ça sera bientôt. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que je serai à l'Olympia en première partie de Véronique Dicker le 18, 19 et 20 février. Donc, ce sera déjà un premier contact avec le public parisien français.